Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Nukupa et aujourd'hui nous partons à l'aventure. Ah, et ben voilà. On a reçu un petit succès. Ah, il est là, le prince Waluigi. J'espère qu'on va quand même pouvoir monter vers le coffre, ce serait cool. Quelque chose me dit qu'il y a un objet. Rien du tout. Pfiou. Ah, juste ça? Ah, c'est vrai que c'est un peu décevant. Hein. Avoir gaspillé des points de vie pour ça. Pour un vieux bonbon PM, c'est vrai que ça. C'est un peu nul. Oh. Des nuages énervés. Quelle attaque brûlante. L'encouragement de Chris fait du bien aux autres. C'est une promenade de santé? Ouais, si tu veux. Ça va aller. Et oui, je pensais à un truc, les bonbons PM. Pourquoi ils sont si gros? Je peux à peine en mettre un dans ma bouche. Mais de quoi tu parles? Moi, je les avale tout rond. Mais tu es monstrueux. Eh, c'est marrant. Je me sens pas bien. Ça va aller. Je sais ce que vous pensez. Mais le coffre est beaucoup plus important à mes yeux. Sérieusement? Le coffre, il est beaucoup plus important à mes yeux parce que, bah, ça peut nous mettre soit beaucoup d'argent, soit beaucoup d'XP, soit une tenue sympa pour un personnage, ou une arme, ce qui est bien dans tous les cas. Ouais. Je veux un chien, hein. C'est facile à dire. Oh, 650, ah ouais. Vivement qu'on trouve du butin. Mais on vient d'en trouver à l'instant, Harmonie. Ouf, violent ça. Ah, merci. Pour toi, public adoré. Cheval, en avant. Adieu. Ya, bien fait. Oui. J'ai presque commencé à douter. Ah, tu doutes de mon équipe, Harmonie? Eh bien, pour la peine, on a trouvé une auberge. Oh. Que 15? Sérieux? Je pensais qu'on en avait ouvert plus. Oh, je suis un peu déçu là. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de voir la chambre de Toriel. Tada! Qu'est-ce que tu veux manger? Tu as mangé ma part! Ah non, du coup. Eh, tu ne devineras jamais. Quoi? Tu sais ce qu'on raconte sur Chris? On le saura jamais. Sans blague, tu crois que c'est vrai? On dirait bien. Bah, j'aurais... Dis donc, j'aurais jamais cru ça. Quoique ça lui ressemble assez, en fait. J'étais à 100 lieues d'imaginer ça. Mais qu'est-ce qu'elles ont raconté sur moi? J'ai cru entendre mon nom. Ah bah, c'est très marrant. Parce que c'est vraiment un truc qu'on aurait pu avoir dans Delta 1. Oh putain. Oh oui. Ouh là là. Ouh, cette de défense, c'est très très puissant. Ah oui, oui, oui. Là, on va le mettre. C'est très puissant. Toi. Bof, mais... T'es énormément basse.
Ah bah par contre, tu vas rester en tenue invisible. Hein. Bah attends, oh, moi je veux que tu restes en tenue d'harmonie. Non. Non plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le jeu? Enfin, qu'est-ce qu'on peut gagner comme ensemble gonflette? Ah bah vas-y, on va voir c'est quoi. Ah. Yay. Eh bah parfait, on a l'ensemble gonflette. Eh bah c'est pour Temi, effectivement. C'était sûr. Je sais pas, Temi, je me dis que le violet, ça lui va bien. J'ai aucune idée de pourquoi. Je cherchais pas à comprendre. Oh. Oh. Trop bien. On va enfin pouvoir monter pour récupérer le gros coffre. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et moi donc ? Aïe. Ah bah. Ah bah c'était rapide. Tout le monde a assez de bananes PV. Pourquoi cette bonne humeur? L'équipe commence à fatiguer. J'ai une pêche d'enfer. Entièrement d'accord. Menteur. Enfin, nous sommes libres comme le vent. Oh, il y a un truc par terre. Oh, un bonbon PM. J'aime bien notre équipe. Batteriel, ouais, en blanc, ça lui va très bien. Bon, bah voilà, au moins, on a le coffre. Ouf, elle va purer. Ben, poudoum. Et c'est maintenant que tu le dis? Aucune idée. Ah bah, on a bien fait. Vous avez sauvé 150 habitants de Mythopia. Don de l'esprit divin. Amélioration de la salière PV. Ça passe à 35. Oh oh oh, la gratitude que tu as sauvée. Tu apportes de l'espoir dans tout Mythopia. Allez, va sauver 200 habitants maintenant. Non, par chance. Bon, qu'est-ce que vous voulez bouffer, les enfants? Eh bah, toi, on va te donner le sandwich pour voir. Bah, t'aimes bien, hein. Oh. Et maman chèvre? Parce que, quand même, il faut de la vie, hein. Bah, tu sais quoi? Hop. Bah, tant pis, c'est pas de la victoire. Ah, bah, si Temi adore ça. Ah bah oui. Ah bah oui, merde. Bon bah tant pis, ça sera autour de tout. Non, ça va être pour Armelie. Ouais, non, non, c'est bon. C'est bon, on les a assez gavés. Maintenant, on va pouvoir continuer notre histoire. Enfin, je crois. Pourquoi ça dit qu'on l'a pas encore eu? Ah, peut-être parce qu'il faut faire l'autre chemin. Je sais pas. Hein? Ouais, non, je sais pas. Peut-être qu'il y a un deuxième gros coffre. En tout cas, je l'espère. Hein. Ça serait cool.
Trop bien. Bah maintenant on va de ce côté-là. Ah. Oh, sympa ça. Ah. Ah. Ça se peut y avait un gros truc, mais bon. Ça se peut y avait un énorme truc, mais elle le sait pas. Ah là là. Quelle erreur bête à faire, Moni. Trop bien. Et ben voilà. Et ben on est arrivé. Ouais, du coup je pense que le petit truc il servait à rien. Niveau 4. Et ben... Ah. Qu'est-ce qu'il veut? Ah. Éventuellement pour des armes, oui. Et surtout Temi. C'est surtout Temi à qui on doit en donner. Hein, parce qu'elle fait zéro dégâts. Vraiment, elle fait des dégâts de merde. Que Temi, limite, faut, à chaque fois qu'elle demande une arme, faut lui donner l'argent. Par contre, les autres... Oh, ils... oh, allez, allez, classe, l'épée en acier. Allez, allez. Elle est belle. Ah. Bon, bah, au moins, il m'a rendu ma thune. Non, pour d'autres défenses, honnêtement, Harmonie, non. Même pas en rêve. Pour d'autres défenses, non. Clairement pas. Ah bah non, ouais, oh, vous êtes malade. Ah bah attends, c'est vrai, on a jamais été de ce côté-là. Eh bah allons-y. En avant. Trop vite, peut plus parler. Ah bah. Je veux plus combattre. Te décourage pas. Mais du coup, les autres routes, entre guillemets, qu'on n'a pas fait... Ouais, clairement, je les ferai hors vidéo, hein, parce que sinon, ça va être long et chiant. Mais d'une manière, on peut même pas imaginer. Enfin, si, en fait, on peut. Parce qu'il y a plein de youtubeurs qui l'ont refait la route, ce qui est sympa s'ils veulent faire des vidéos beaucoup plus longues ou plus de vidéos sur le jeu en question. Mais au bout d'un moment, il y a quand même un ras-le-bol, hein. Jouer, même si le jeu est grave cool, on peut avoir un ras-le-bol à un moment donné. Et justement, moi je veux pas avoir un ras-le-bol de faire le jeu en let's play, mais par contre, d'y jouer hors vidéo, pourquoi pas? Ah bah oui, non, mais comme ça, au moins je jouerai plus en vidéo et c'est bien. Tu as sans doute raison. Ah, qu'est-ce que c'est ingrat? J'ai l'impression que mes jambes vont cesser de fonctionner. Toujours à te plaindre. Je pourrais grimper cette montagne 10 fois de suite s'il le fallait. Ça va aller, Harmonie? Je peux te porter sur mon dos si tu veux. Ah, merci, t'es vraiment un ami. Je peux grimper sur ton dos, moi aussi? Non, toi, tu grimpes la montagne 10 fois comme tu as promis. Ah bah oui. Ah, tu respectes ce que t'as dit, Toriel, hein, quand même. Hein. Ah, monstre. Oh. Yay. Bah déjà au moins elle fait un peu plus de dégâts, Temi, c'est mieux que rien. Oh Temi. Yay. Bien fait. Et merde, on l'a pas tué. Bah si, ça y est, il est mort. Trop bien. Le monde est à moi. Sérieusement? C'est toi l'avatar du mal, Toriel? Oh. Bah après 200, c'est rien quoi maintenant. Mais bon, c'est pas grave, on a trouvé une auberge. Et ça, c'est bien. Ça vaut tout l'or du monde. Pas du tout. Ah. Je vais t'hypnotiser. Hein?
Mais oui, tes paupières sont lourdes. Tu as très sommeil. Hein? J'ai rêvé? Tant que Chris, avec le chevalier, il est niveau 4 avec tes niveau 7. Ouais, non. Ah, pourquoi elle veut de la thune, elle? Ah. Bah, non, toi, je l'ai. Ah, mais après, c'est vrai que c'est marrant, ça. Mais non, on va économiser de l'argent quand même. On va économiser notre argent, ouais. Oula! C'est quoi ça? Bah, y a rien. Genre, à part nous dire qu'il y a un pic glacial, y a rien pour l'instant. Bah, c'est nul. En avant. Il y a un trou dans ma chaussure. Plein de disques. Où on va donc pu passer ce cher principal Luigi? On peut pas rentrer à la maison, au moins par la route, c'est aussi sûr. On peut toujours abandonner le prince et notre réputation. Quoi? Non, c'est bon, on continue. Psychologie de base. Je suis tout requinqué. Je suis à 100% avec toi. J'ai faim. Arrête de te plaindre. Oh, des monstres. Ouf. Ah bah ça a été rapide. Et tant mieux que le cheval fait ça. Tant mieux. Parce que au moins le combat se termine en 2 secondes et c'est réglé quoi. Allez au petit trot. Bien évidemment qu'on vous êtes malade. Oh. Pfiou. Des monstres sont pas. Ah. On n'a pas le temps de finir. Action assurée. Paf. En avant. Et ben voilà, ils sont tous morts. Trop bien. Et ben voilà. On a trouvé l'auberge. Parfait. Ah. Cher Chris, incroyable. Sans aucun doute, le paroxysme de la délectation, cet arôme, cette texture, les mots ne peuvent les décrire. Homer. Ok. Oh, c'est trop mignon l'image. Donc, Temi, tu n'as rien. Tu n'as aucune relation avec Harmony, hein. Et bah, Toriel avec le cheval, tu en as 3. Ouais, bah. Non. Non, c'est bien comme ça. Ah bah on aura le principal Luigi dans cette vidéo. Hein. Ça, c'est cool. Me faire entendre moi, comment hostile, Grégre. Hein? Ah, enfin, bande d'incapables. Conduisez-moi à la princesse et tout de suite. Bon bah au moins ça a été... Pourquoi j'attendais seul ici? Bonne question. Figurez-vous que je combattais un monstre. Je tentais vaillamment, mais peu. Je n'ai eu d'autre choix que de fuir à toutes jambes. Eh bah allez, prince. Ah, un boss. Un griffon. Tout doux. Aïe. C'est l'heure pour moi d'entrer en scène. Voilà un prince qui a l'air un peu haut. Hein. Bon. Mais du coup, Waluigi, tu viens pas au combat comme t'as dit? Tu as osé me défier. Voilà un prince qui a l'air un peu haut. Hein. Ah, toujours pas mort, hein.
Tu vas voir, t'en as pas eu assez, tu vas voir. Yay. Ça c'est fait. Oh, un griffon rôti. La bataille fut rude, mais mon talon à l'épée nous a assuré la victoire. Ah, ça y est, j'aperçois le château. Princesse Zelda, votre cher prince Waluigi sera bientôt à vos côtés. Cause perdue. Eh bah putain. Eh bien, où est le prince Waluigi? Oh, vous l'avez conduit sans la somme jusqu'à nous. C'est merveilleux. Voici donc votre récompense. Que 800? Oh, t'es un crevard. Bah non, avant tu donnais plus, mec. Je t'aimais mieux. Nom, 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 nom. Oh. Hé hé, j'ai réussi à me faufiler en douce. Hi hi hi. Princesse Zelda. Voilà votre cher prince Waluigi. Oh! Oh! Vous! Vil malin! Que faites-vous ici auprès de ma chère princesse Zelda? Et vous, pour qui vous prenez-vous? Moi, oh, pour personne, je suis juste son fiancé! Un coquin comme vous, son fiancé? Alors ça, jamais! Venez me le dire en face, maintenant! Arrêtez! Je vous en prie, arrêtez tous les deux! Mais c'est quoi ce vacarme? Arrêtez vous deux, arrêtez tout de suite. Alors c'est lui le fiancé de Zelda. Je ne peux pas laisser faire ça. Qui est ce manon? Il ose poser la main sur ma princesse Zelda. Bonjour roi. Ouais, c'est droit, ils sont dans tous leurs états. Un fruit apaisant leur ferait peut-être du bien. Oh putain de merde. Voilà qui nous rend énormément service. Un sans fruit pousserait quelque part au milieu de la forêt. Bah oui, évidemment. Attends quoi? Acceptez ce cadeau par avance. Ah ouais, c'est bon. Ok, j'accepte. Faites vite. On va tenter, hein. Mais je peux rien promettre. Tiens, pourquoi il y a un rose? Attends, j'ai envie de le combattre. Est-ce que c'est le rose qui donne de l'XP? Putain, il a été randonné. Oh, un bon savoureux. Ah non, il va donner à manger. Bah, toi qui donne des trucs ultra rares. Hein. Moi, ça me va. Hein. Oula! Et bah voilà. Donc qu'est-ce qu'on gagne avec eux? On s'en sort sans trop de dommages. C'était sûr. Une salade de boing. Et en plus on aura un petit coffre à récupérer. Ça c'est cool putain. En avant. J'ai le nez bouché. Ah moi aussi. Tu plaisantes? Eh, quelle dispute mes aïeux. Ce Link s'est vraiment lâché. Le prince Waluigi un peu plus, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est lui son premier, nous n'y pouvons rien. Pauvre princesse Zelda. Ouais, la pauvre. Ah bah oui. Si on trouve un chemin secret, avec plaisir, on y va. D'ailleurs, je pense que le chemin secret, c'est ça pour aller aux fruits. Vous savez où on en est? Oui, on est quelque part. Ah, je pensais qu'on était plus loin, moi. Pas encore, mais ça va venir. Vous êtes pragmatique, c'est bien. Eh bah, ouais. Il est très pragmatique, on est arrivé. Ah,
cheval et Toriel, de quoi parlez-vous? Je me suis endormi. Ah bah t'en dors, allez, hein. Après tout, non, c'est puissant. C'est très très puissant. Toriel, tu veux quoi comme tenue? 4. Et toi? 4. Non. Pas maintenant en tout cas. Bon attends, du coup le passage secret qu'on a trouvé, il nous emmène où? Parce que... Bah parce qu'on le sait pas quoi. Donc le passage secret c'était pour ça. Bon bah tant mieux, au moins on s'occupera de la suite de l'histoire dans la prochaine vidéo. Ça c'est cool. Yes, ça ne gratte pas un peu. Ah, un ennemi. Un boing. Ah. Je vais avoir des couvertures demain. Qu'est-ce qu'on s'éclate? Tu m'en diras. Oh. Top confort, entièrement d'accord. Fais attention, parle pour toi. Et pardon pour tout à l'heure. Tant pis pour toi. C'est encore pire. Ah, cette fois c'en est trop. Tout le monde suit? Ah, qu'est-ce que c'est que ces merdes? En avant. Bien fait. Ah! Même la taupe, on dirait qu'elle est chaude. Ça me donne faim, tout ça. Renaud, t'es mis! Pouf, il fait meilleur ici. Bah voilà. Ah, une nouvelle bouffe. Je boirais bien un café, ça va aller. Ok. Paye amour. Pas mal, Chris. Waouh. C'est bien. Eh ben voilà, il est mort. Trop bien. Il y a encore un seul morceau. Oh, un très rare dégoût de l'astine. Ah, Témi. Trop bien. Bon, et ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De mon côté, hors vidéo, je vais m'occuper de faire le chemin qui nous emmènera ici. Comme ça, au moins, dans la prochaine vidéo, on pourra aller là. Du coup, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Bicoupas. Et puis moi, je vous dis au revoir tout le monde.